Bonjour à tous. Si vous entendez les bruits en tâche de fond, c'est que ma maison abrite aujourd'hui un, un tournage d'une équipe d'étudiantes avec ma fille. On verra ce que ça donne. Passe de temps à brailler euh, silence, c'est assez rigolo. Euh, ben voilà, je vous ai abandonné un peu trop longtemps, euh, visiblement. Hein. Vous avez du mal à retrouver le chemin de l'émission et moi aussi. Euh, donc le, le pauvre slideshow que je vous ai fait au début, euh, OBS visiblement aime pas les métadatas de, de l'iPhone. <laughs> les photos étaient dans le sens qu'il avait envie en fait. Donc c'était pas tout très droit, c'est pas très grave. Donc voilà, c'était entre autres une des raisons de, de mes absences où j'ai enchaîné euh, entre Mixit, une formation, des vacances. Donc voilà, il s'est passé plein de petits trucs. Mmh. On va redémarrer. Ceux qui sont passés hier savent que j'ai remis un peu en route la machine à projet quand même. Il était temps donc euh, je vais vous en parler assez rapidement. Euh, hop, j'aurais voulu vous parler aujourd'hui d'un truc qui malheureusement, euh, j'ai pas eu le temps d'aller à la poste mais j'ai regardé le numéro de suivi et je sais ce que c'est. Euh, je pense que vous allez le voir passer dans les news que je vais vous montrer juste après si je me rappelle bien. Euh, je voulais quand même, hop, vous montrer dans les dernières arrivées. Je vais remettre un petit peu d'éclairage, c'est un peu juste. C'est le Ligo euh, Titigo euh, Keyboard qui euh, hop, abrite je vais mettre la lumière en même temps qui abrite un ESP32C3 si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a un petit écran, euh, un firmware qui permet de, en fait d'en faire un clavier Bluetooth. Et je vais vous remontrer ça. Normalement là vous allez voir un peu mieux. Hop. Comme ça c'est mieux quand même. On hein. voit mieux. Voilà. Donc c'est un clavier, euh, un petit clavier QWERTY mais complet. Euh, vous voyez. Hop, connectique USB-C. Sur le côté un bouton de mise en route et un bouton de reset. Et si je mets en route, vous voyez, il y a un joli petit écran hein, qui permet d'avoir une interaction. Alors, en l'occurrence il dit c'est le firmware de base qui euh, se met en attente pour qu'un... Un device se connecte dessus en Bluetooth, ça marche plutôt bien. Je l'ai essayé avec l'iPad, le téléphone, le Mac, tout marche bien. Et puis, ben, je vais voir les, les projets que je vais pouvoir lancer avec. Qu'est-ce que j'avais dans mon panier qui est arrivé récemment euh, Si, ben justement, ça va me permettre de faire la transition. J'ai reçu des nouveaux... C'est les petits modules qui permettent d'avoir... Ouais, les, les broches sont plus serrées qui permettent de brancher c'est au format xb qui permet de brancher le petit euh, la petite whisky lora de, de chez rack wireless qui contient un chip puissance qui va me permettre de faire des projets euh, qui a, a rajoute du... une connectique lora avec une connexion usb j'ai deux trois petites idées notamment avec le DevTerm, euh, et on verra on verra ce que ça donne là j'ai encore des petits problèmes il faudra que je me fasse une session dans un horaire compatible avec Kong du qui me donne un coup de, coup de main, j'ai peut-être bien le, le firmware du racuissance qui est de travers. On verra euh, si c'est bien le cas. Euh, petit rappel, n'oubliez pas de passer sur le Discord. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir discuter avec nous de, de ce que j'aborde dans les émissions, les live coding et autres. Hein. Faut pas pas faire les timides. Euh, et puis sans plus attendre, euh, euh, merci à Nono d'être là. Euh, même si vous n'êtes pas nombreux, je vais vous faire la petite revue d'actualité que j'avais prévue. Alors si je fais ça comme ça, vous allez avoir... Alors c'est pas forcément... Ça c'est un peu ce que je voulais vous montrer ensuite. Enfin, c'est pas très grave, on va y revenir de toute façon. Je vais vous faire... Alors celle-là, elle a circulé sur le... le Discord aussi. Un projet... Hop, je vais zoomer un petit poil, que vous voyez mieux. Qui s'appelle euh, Nokia, qui en fait, euh, si je descends un peu plus bas, voilà, dans une carcasse d'un un, un téléphone Nokia, euh, mettre euh, une. Euh, c'est un PCB qui est dédié avec un, un petit Tunix qui tourne dedans. Donc, euh, voilà, je vous invite à aller faire les curieux. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est encore trop tôt, mais euh, euh, ça permet d'avoir une espèce de Linux Phone. Euh, avec une connectique qui a annoncé euh, euh, du Wi-Fi, du Bluetooth évidemment, parce qu'il doit y avoir un ESP32 et puis du LoRa. Euh, il y a eu un souci avec l'article sur Axter, euh, mais ils l'ont remis, donc c'est parfait. Voilà. Et vous avez un peu plus de détails sur euh, bah, comment ça a été assemblé, comment ça a été fait. Moi je trouve ça marrant comme intégration, c'est au-delà de ce que je sais faire. Hein. Parce que là il y a donc le processeur, je ne sais même pas ce que c'est, un Ingenic X1000E. Donc voilà, en tout cas il y a de la connectivité, visiblement de base, il y a un chip pour l'audio. Alors le Ingenic c'est ça. Je ne connaissais pas. Il y a même un audio codec intégré, d'accord. OK. Ça tourne 1 GHz. Donc voilà, c'est un choix de chipset, ma foi, très bien. Et euh, ouais, je, je, je vais le suivre pour savoir. Euh, Jusqu'où il va dans sa démarche, mais c'est intéressant qu'il il, il, il garde pas grand chose de, de, de l'origine. Hein. Salut Kios! Il, il modifie beaucoup de choses, y compris l'écran qui est, si vous voyez la capture, hein, c'est quand même trop fin et trop précis pour être l'écran du Nokia d'origine. Euh, c'est parce qu'il l'a remplacé par un, un bah oui, un, un IPS en, en 240-320. Ouais moi aussi je suis assez d'accord avec toi, euh, tant pis si c'est pas des choses que je fais parce que je me sens pas de le faire, puisque je suis tout bêtement pas capable de le faire, mais je, je suis toujours impressionné de, de ce que les gens sont capables de faire, parce que là ça va loin, hein. c'est-à-dire que le, le chip euh, il a créé son, son PCB lui-même donc euh, il, le fait, euh, il le fait vraiment de A à Z là quand même. Hein. Donc, voilà ça Oh, T'as pas, pas trop raté, euh, nous voting. Je vais vous montrer la petite news suivante. Ah, si, celle-là, ben voilà, ça c'est. Hop, je vous mets le lien. Ça c'est le truc qui m'attend à la poste aussi. Que j'ai raté. Euh... Enfin, que j'ai raté. Bon, on, on va rien dire. Il y avait du monde chez moi à l'heure annoncée du passage du facteur. Mais il faut que j'aille le chercher à la poste. Il s'agit du Picohead. Bon, je pense qu'ils s'amusent à utiliser deux points parce qu'ils ont repris le form factor euh, des cartes microbit, mais en mettant euh, la puce de chez Raspberry, la RP2040, euh, ce qui permet d'avoir un, une carte un peu, un peu différente et surtout beaucoup plus beaucoup plus costaud. Euh, à ça, ils ont rajouté le, les écrans des petites LED, il euh, y en a beaucoup plus. Donc, euh, moi, c'est euh, voilà c'est l'aventure d'avoir le form factor. Je vais voir tous les tous les petits trucs que j'ai à côté là, qui permettent de piloter les moteurs, qui permettent de. Je vais voir si ça fonctionne avec tous ces trucs-là. C'est intéressant d'avoir le RP2040. Même si, encore une fois, pour moi, euh, le RP2040, euh, ils auraient quand même pu rajouter la connectivité comme un ESP32, un Bluetooth, un Wi-Fi. Ça, ça aurait été quand même plutôt pas mal. C'est un. C'est un vrai manque, euh, certes c'est plus puissant, mais euh, par exemple pour les ateliers avec Mixtine, je vois pas bien l'intérêt de, de passer à ça, ouais il y a plus de LED, il y a plus de si, plus de puissance, mais il n'y a pas le, le côté connectivité euh, amélioré, euh, le peu qu'il y a avec la radio du, de la microbit me suffit en atelier, donc on verra ce que je peux, ce que je peux en faire, mais évidemment j'ai craqué, et euh, j'irai les chercher, je sais pas, cet après-midi ou demain, et bien sûr je vous en parlerai à la prochaine émission. Euh, ouais, cette histoire de connectivité pour moi ça reste un grand mystère. Donc c'est une grille de 7x17 LED. Il euh, y a un petit buzzer en plus, mais bon comme sur la microbit V2 finalement. Et on va voir ce que ça donne le, le Edge Connector. Ils, ils annoncent que c'est compatible avec pas mal de choses. C'est euh. euh, chez electrix Je suis sympa, je vous ai mis la news sur un article, je vous ai pas mis directement le lien pour aller l'acheter. Euh, donc là, il y a toute la, toute la doc, euh, l'environnement et tout ça. Donc euh, comptez sur moi pour, euh, bah, pour vous tenir au courant de, de ce qu'on peut faire. Euh, je vous l'avais montré au début là, hop, je rezoome un petit coup. Euh, tout ça pour dire que, euh, notamment depuis que j'ai reçu le petit euh, adaptateur TTL-USB pour le format XB, euh, je voulais relancer un peu tout ce qui était l'aura. Et je voulais aussi regarder pour euh, ce qu'a fait Conduino, vous pouvez venir sur le forum, il a fait euh, un usage de, de la, du chipset. Euh, Est-ce que je l'ai sous la main? Oui, hop, non, ça c'est la whisky. Bon, c'est pas grave. La, la Bass One, qui est une, une carte au format euh, Feaser avec euh, un chip euh, rack pour la connectivité euh, LoRa. Et euh, il a fait en sorte qu'on puisse l'utiliser avec, euh, avec paille Gamer. Donc je me suis dit, euh, une fois qu'on a ça, à réfléchir peut-être euh, éventuellement, essayer de. Ça pourrait être un bon projet pour moi pour débuter enfin mon premier PCB. Euh, juste euh, faire quelque chose qui permette de se plugger dans paille Gamer, mais il ne faut pas brancher toutes les broches parce qu'il y a une incompatibilité. Mais quand euh, on à identifier celle qu'il fallait utiliser, il faut aussi inverser RXTX. Donc faire une carte qui servirait juste de. De translation entre les, les broches de la Play Gamer et les broches qu'on souhaite utiliser de, de cette Feezer Basta One. Et après, derrière, euh, bah, je me suis dit, bah, il faut quand même afficher un peu des choses. Il y a plusieurs possibilités. Et je suis tombé sur ce tweet. Alors, euh, celui-ci, c'est un des tweets d'origine de 2020 quand il avait commencé, mais c'est parce qu'il en avait reparlé récemment. De Joey Castillo, euh, l'homme qui est derrière euh, plusieurs projets intéressants, notamment essentiellement autour de tout ce qui est e-ink. Notamment un, un super projet d'Open eBook qui permet d'avoir une liseuse en open source, open hardware. Et il se trouve qu'il a aussi fait euh, ce, petit, euh, ce petit projet, ce petit framework euh, d'interface pour la, la paille Gamer. Donc euh, je me suis dit que j'allais utiliser ça. Je peux me faire engager chez Tom's Hardware, ouais. <laughs> euh, C'est du boulot hein, chez Tom's Hardware. Nous avons. Euh... Ah, je vois que ça, ça se met à ramer, donc ça veut dire que le Mac commence à chauffer. Donc vous allez avoir droit à un petit peu de ventilation, c'est pas grave. Euh, chez Tom's Hardware, on a l'ami euh, Lespounder, qui était... Euh, qui est toujours, d'ailleurs, un, un des des journalistes de, de Tom's Hardware, qui fait beaucoup de reviews, d'émissions, et tout ça. C'est un, un boulot euh, à temps plein. Euh, ouais, ouais, c'est sûr, ça sera un boulot euh, captivant, hein, ça, j'en doute pas une seconde. Je vais essayer de rattraper un peu le décalage, là, vous avez décalage euh, audio et vidéo un peu dégueulasse. Je fais, je fais souffler un peu le... Contrairement à ce que les gens ont dit dimanche, moi j'ai réécouté la vidéo, je vais l'uploader pendant le live coding. On les entend quand même, même avec mon filtre, je ne l'ai pas mis à fond. Donc Bref. Alors, pour mon Pi Gamer, il te faut un clavier I2C et pour ton deuxième device Laura, sera pour être un keyboard Featherwing. Alors, non. Euh, oui, on pourrait. Mais je dis non parce que. Où est-ce que je l'ai mis ah, Vous allez me faire ressortir tout mon bazar. Hop, venez sur le Discord en discuter. On vous présentera la Bast mobile qui est déjà une, une carte que m'a envoyé euh, Kanguino, Et je ne sais pas où je l'ai mise, Et évidemment, c'est quand euh, j'avais pas prévu d'en parler. Mais j'en ai fait dans une émission, qui est exactement, euh, exactement ce que tu es en train de décrire. Hein. Tu, as, tu as un écran, tu as un clavier, tu manges tout. Euh, Qu'est-ce que j'en ai fait je sais pas ce que j'en ai fait. Bref. Bon, c'est pas grave. Euh, ouais, non, je, je pense que je vais déjà essayer de faire des vrais projets LoRa avec ce que j'ai sous la main, ce sera déjà pas mal. Euh, ça, sera déjà, ça sera déjà bien. Remettre en route la gateway, ce sera déjà pas mal. Et donc, en me penchant sur cette idée d'utiliser ce, ce framework pour avoir une petite UI dans, sur ma PyGamer, Gamer. Je me suis dit, bah comme ça faisait un moment que n'en étais pas servi, puis que j'avais fait pas mal de, de Tiny Go avec, dit, je vais la reflasher avec la dernière version de... De circuit de Python, donc pas de souci, on télécharge, on se met en mode bootloader, et hop, c'est parti, on copie le fichier, c'est parti. Mais généralement, ce qu'il faut faire, il faut mettre à jour les librairies. Et là, c'est vrai que c'est vite pénible, dans le sens où il faut repérer toutes les librairies qui sont sur la carte, aller, alors, on télécharge le bundle correspondant, pas de souci, où il y a toutes les librairies, et après, copier celles dont on a besoin à jour dessus, enfin, c'est un peu laborieux. Et c'est ce que j'ai toujours fait, si ce n'est que ben, une grave erreur, quand on a l'habitude, et on passe à côté de choses qui ont été développées entre temps. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Exactement, je vois que Noé e Voting est déjà au courant. C'est euh, l'outil et la librairie, puisque c'est les deux, Cirque Up, qui permet de faire l'update de euh, vos librairies, de votre device circuit de Python. Euh, c'est à la fois un outil qu'on peut utiliser en ligne de commande. Hein, une fois que vous l'avez installé, euh, avec un, ça s'installe comme un package. Hein. pip, euh... pip install circup. Euh, et euh, après, vous utilisez circup, vous lui faites euh, lister les, les devices, vous lui montrez, vous faites apparaître les librairies qui ont besoin d'être mises à jour et vous pouvez faire l'update et ça marche très très bien, euh, au détail près. Vous avez vu passer les tweets peut-être ce matin de Kongduino qu'il y a un souci quand on a plusieurs cartes. Euh, le souci, c'est que l'identification se fait avec le fait que ça monte un volume USB euh, qui s'appelle circuit pi. Si vous en avez plusieurs, vous allez avoir circuit pi 1, circuit pi2, avec un espace au milieu. Et du coup, la librairie, ben, elle n'arrive pas à, à le détecter, mais en même temps, son code est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une détection. Euh, il faut que. Alors par exemple sur un max, le point de montage, c'est slash volume slash circuit pi. Et ça va détecter que ça finisse par circuit pi. Donc si vous avez circuit pi espace 1, ça ne va pas le voir en fait. Donc il euh, y a sûrement plein de raisons. Il euh, y a plusieurs propositions qu'on pourrait faire, je sais pas, on verra si on peut. Si Conk fait une proposition, si j'essaie d'en faire une, genre détecter que ça contienne la chaîne. Il se trouve qu'une fois qu'on a identifié ça, on peut aussi aller voir il y a un fichier sur les cartes qui font tourner Circuit de Python qui s'appelle boot, boot out.txt, qui en plus est lu par la librairie derrière pour vous donner la version de Circuit de Python et autres, donc ça, il peut y avoir d'autres solutions. Bref. Toujours est-il que c'est pratique en ligne de commande. Et euh, moi je me suis dit comme ça, comme petit projet moi pour mon, pour mon fun. Euh, alors, No voting il y a des solutions. Alors, genre brancher un, brancher un seul device à la fois, c'en est une. Mais tu peux très bien euh, renommer euh, une fois qu'il est monté. Et euh, le, le lien, enfin en tout cas sur macOS, si tu rebranches la même carte, il va faire le lien, il te remonte le point de montage avec le nouveau nom. Donc, tu peux aussi avoir ce système là, du coup euh, ta carte elle se verra plus parce qu'il s'attend à trouver le circuit de Python. Donc c'est un autre, un autre défaut. Euh, et, et sinon la librairie est capable après. Euh, elle prend les chemins, donc je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Euh, pour l'instant, je vais faire comme ça. Je vais les faire une par une, je vais regarder. Donc moi, je vais faire un outil autour. Euh, L'idée... Est-ce euh, que je vous ai montré ouais, Je vous mets au passage, je vous mets aussi euh, le lien du... Du projet sur GitHub, hein. ça peut ça peut servir. Euh, la discussion qu'on a eue. Euh, qui... Alors déjà, j'ai du mal avec ce projet parce que visiblement c'est un c'est un package au sens pip. Donc je sais pas faire des packages au sens pip. Je ne sais pas ce qui ça implique. Mais tout le code se retrouve dans le underscore underscore init underscore underscore je Personnellement, je trouve ça chelou, mais bon, ça fonctionne. Et alors si je descends et que je cherche ce qui est utilisé, euh, voilà, c'est la méthode s'appelle find device. On va prendre l'exemple posix hein, qui concerne Linux et OS euh, Il demande euh, avec la commande mount euh, à connaître les endroits où sont où sont montés des volumes et euh, en parcourant la liste des volumes, il va regarder ceux qui se terminent par la chaîne circuit pi. Donc, on pourrait imaginer qu'à la, la place de end with, euh, on fasse soit un contains, soit un find, en tout cas quelque chose d'autre. Ça serait une première méthode qui devrait permettre d'avoir déjà plus de cartes. Euh, après, ce qui est dommage, c'est que si euh, vous avez une carte avec euh, un autre nom, ben, il ne la verra pas du tout. Donc, ça, c'est super dommage. Donc, c'est peut-être à cet endroit-là qu'il faudrait parcourir tous les volumes et regarder pour chaque volume monté. Euh, Est-ce que je peux vous le montrer ce fichier Oui, je pense que oui. On va brancher par exemple une Adafruit Clou. Est-ce que le Mac s'est retapé Oui, il s'est retapé, donc je vais baisser un peu le ventilo pour pas vous assourdir toute l'émission. Euh, si je vous montre... Alors, je vais le passer par... Hop, je vous ai remis le lien du Discord pour venir discuter avec nous. Euh... Si, c'est bon. Hop, je vais... Donc là ce que vous voyez, bah je, vais, je vais vous le faire aussi avec la, la cloue. Hein. Donc j'ai installé circup euh, Je ne sais pas si c'est assez gros. On peut grossir encore un peu si vous voulez. Voilà. Je pense que c'est lisible. Si je lui fais list, hein, il va me trouver euh, le, la carte que je viens de brancher. Il va m'annoncer qu'elle est Elle utilise la version 7.3. Et en regardant ce qu'il a euh, comme librairie installée sur la carte, ben il m'annonce euh, tel nom de, de module est à telle version et euh, vous pouvez l'upgrader à telle autre version. Ça indique aussi euh, si c'est le format compressé, euh, le format MP, ou si c'est le code source en format pi. Donc c'est pas mal du tout. Euh, tac, je repasse par là à chaque fois parce que ça j'avais pas prévu spécialement. Ah, voilà, c'est ce qui me semblait, ça ne marche pas du tout du coup je vais vous le remettre ici tac euh, si je vais dans euh, alors c'est un petit peu petit mais je vais vous zoomer est ce qu'on peut zoomer l'intérieur on peut pas zoomer c'est con je peux pas vous zoomer l'intérieur bref pas, pas très grave je vous ouvre le fichier boot underscore txt est ce que je peux voilà et ça contient du texte hein, sur toutes les cartes qui bootent euh, avec ça. Et il euh, y a euh, donc, euh, le fait que ça utilise le circuit de Python, la version, la date, euh, la référence du, du build qui a été utilisé et le board ID. Donc ça c'est aussi des choses qui sont après lues de toute façon par la librairie euh, pour vous exposer la version d'Adafruit, le nom de la board et tout ça. Donc euh, ça, ça peut être intéressant. Euh, oui, no e voting il faut voir le code d'étection de Mu. Alors, Circup est écrit à la base par Nicolas Tolarvé, et c'est issu, il y a même des commentaires dans le code qui le montrent encore, c'est issu de ce qu'il a fait dans Mu, en fait. Et Mu a le même problème aussi, hein. Ouais 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 je sais cette histoire de normalement une vraie détection ça devrait passer par le vendor ID et le USB ID et tout, ça serait quand même plus propre. Mais Adafruit a pris la décision alors, euh, pour rester ouvert d'après eux, c'est-à-dire que sans se baser sur une vraie base des, des, des ID, ben ça permet soi-disant de maintenir. Soit Adafruit ne fait pas euh, Mu Editor, hein, donc c'est pas eux qui décident, mais euh... C'est ça, c'est une contribution uh, Sircup. Uh, à la base, c'est Nicolas Stolarvé uh, le, le principal, de, en tout cas le, le coordinateur du projet uh, Mu et uh, il dit qu'il a récupéré ce, ce code-là pour le proposer à Dafroot et donc on a ce projet-là. Mais uh, ouais, donc uh, l'histoire des ID, uh, c'est que uh, tout le monde peut construire sa carte en mettant des, un peu, uh, on pioche son USB ID sans, sans vraiment le déclarer, ce qui est pas forcément joli-joli, mais bon. Euh, et donc, euh, bah, le fait de passer par ce système de détection, bah, on, on, laisse, euh, on laisse les gens euh, créer leurs cartes, les bricoler, et c'est compatible avec le reste. Mais bon, je, je pense que la détection, sincèrement, devrait parcourir les volumes montés, si ça doit être la méthode. Et une fois qu'on a les volumes montés, regardez s'il y a un fichier euh, boot.out.txt, euh, regardez dedans s'il y a bien la mention Adafruit euh, Circuit de Python. Et je pense qu'à partir de là, la détection serait un peu meilleure. Je vais pas vous mentir, je me sens pas forcément de faire la contrib là-dessus. Je peux me faire une librairie en local pour voir si ça fonctionne. Je peux la pousser en pull request, mais euh, après il y a toutes les questions de, de formatage, de, de tests, j'en ai pas vraiment vu. Et puis je vous dis y a un truc qui met tout dans underscore, underscore init, underscore underscore pour moi c'est chelou, mais c'est juste que je connais pas tout. Donc euh, ouais voilà. Ah c'est pire, Adafruit n'accepte pas de nouvelles boards si tu as des ID uniques. Oh je suis étonné ça quand même. Je, je, te crois, hein, si tu le dis, c'est que tu l'as lu, mais, euh... Ah ouais, rapport au business. Ça m'étonne qu'il verrouille, en tout cas. En tout cas, je vois pas ce que ça verrouille, déjà. Parce que, quel que soit ton USB-ID, on s'en fout, à la limite, hein, Tu peux le compiler, c'est open source, circuit de Python. Ben, bah, je ça, tiens. Je suis curieux. Effectivement. C'est peut-être, peut une embrouille côté business. Hein, c'est possible aussi. Bref, je pense que la, la, la solution serait de s'embêter à aller, euh... Regardez s'il y a un fichier bootout texté qui lui ne laisse pas d'ambiguïté sur le fait que tu as un board ID de toute façon, puisque quand tu compiles, tu dois avoir un board ID qui est libre hein, quand tu compiles ta version, quand tu rajoutes une carte. Eux ne le compilent pas pour toi Ben oui et non en fait, parce que ça je l'ai eu fait pour une carte. Euh, tu peux proposer en contribution, rajouter euh, dans la partie euh, qui concerne les ports des différentes boards, c'est pas très compliqué si ta carte n'est pas trop complexe. Et tu peux rajouter ton, ton porte à toi. Euh, je l'avais fait... Pourquoi j'avais fait J'avais dû contribuer sur... Euh... Je sais plus quelle carte. C'est pas la... Avant qu'il sorte la page gamer, peut-être. Je sais plus. Bref. Euh, c'est pas insurmontable euh, et euh, a priori il y en a d'autres qui l'ont fait tous les tous les indépendants qui viennent ou d'autres qui font des contributions jusque là j'ai pas vu de pull request refusé c'est juste que eux ils vont pas te faire un circuit de python générique qui marche avec toutes les bornes. donc effectivement il faut que tu fasses le boulot propre euh, et ça c'est ça s'est complexifié un petit peu de contribuer à un circuit de python à rajouter une borne. mais bon ça, ça se fait quoi c'est quand même très faisable euh, le dernier truc que je voulais vous montrer, euh... Euh, je pense que j'y suis pas. C'est pas celui-là. Euh, voilà. Le Max est remis à ramer, hein, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Circuit UI, c'est le petit projet. Je ne l'ai pas ouvert là encore, je l'avais mis en privé le temps de tout mettre en place. Je vais le, bien sûr le mettre en, en public. Hein. Je vais quand même vous montrer. Il euh, n'y a pas grand chose pour l'instant, mais. Euh... Hop. Donc là, ce que vous voyez, vous... Bon, c'est peut-être pas super zoomé, mais la petite fenêtre qui s'ouvre, c'est Fig. Fig. Sur macOS, qui vient se greffer dans la plupart des terminaux, qui vous rajoute des fonctionnalités que je trouve bien sympas. Voilà, je me retrouve à, à pouvoir broser et, et à quand même. Voilà, J'ai <laughs> fait le malin avec le truc qui rame. Mais c'est assez pratique. Voilà, J'ai des OK à cause du, du Mac superchargé à nouveau. Donc voilà. Donc là, ça le met en plein écran euh, parce que je lui ai pas mis de limite. Euh, Aujourd'hui, tout ce que ça fait, c'est ça parcourt et ça utilise la fonction euh, qui permet de lister les devices. Donc là, on voit qu'il a trouvé un device. Là, J'ai juste mis euh, une chaîne en brute. Après, je vais le structurer dans un joli tableau. Le device c'est bien la clou, euh, la version de circuit Python c'est 7.3.0 et le pass concerné c'est slash volume slash circuit pi. Et euh, donc l'idée c'est euh, après, euh, s'il y a une façon d'avoir plusieurs boards, chose que j'ose espérer finira par arriver, euh, il y aura la liste ici, euh, on est en ligne de commande, là, hein, c'est pas une UI euh, graphique, et on pourra sélectionner la carte qu'on veut mettre à jour, et une fois qu'on a trouvé celle qu'on voulait mettre à jour, on appuiera sur Select, qui est pour l'instant, tout comme le bouton cancel, ne fait juste qu'afficher euh, qu'il a été cliqué puisque j'en étais là. Et j'ai le raccourci de la touche Q ou la touche échappe qui permet de faire ça. Je me base évidemment sur le framework textual dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, basé sur le libraire Rich, dont je vous ai aussi parlé plusieurs fois. Et c'est ça. Alors, eux n'acceptent pas le pull request pour une nouvelle board qui n'a pas d'ID unique. Il y a un check dans la CI, je pense, entre l'USB VID et PID. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Non, c'est pas. Ok, ok, ok. Donc, euh, bah, l'explication est, 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 est que leur choix est propre du coup. C'est-à-dire que une carte, oui, oui, c'est dans la CIA sûrement. C'est-à-dire qu'on va compiler dans le, le... dans le repo. Ah, c'est normal qu'ils donnent que leur ID. C'est leur produit. C'est leur ID. Ils se sont enregistrés. Euh, sauf si tu passes un accord avec eux et que tu es un petit indépendant. C'est logique. C'est-à-dire qu'il y a, y a effectivement un catalogue, je ne sais plus où, où tu enregistres ton... Euh, on peut peut-être rechercher ça vite fait. De toute façon, après, on va, on va finir. J'ai des trucs à faire. Hop. Alors le... Identify. Euh, Est-ce qui va me mener sur... Non, ça c'est juste pour passer par là, on s'en fout. Voilà. Voilà, voilà. après c'est une liste qui est issue. C'est ce que je suis en train de chercher. Alors il vous explique comment l'obtenir. Ouais, je suis pas très sûr de comprendre. Ouais, c'est ça. C'est auprès de l'organisation USB, il faut que tu, en... que tu t'enregistres comme étant un fabricant. Quand tu es un fabricant reconnu, tu obtiens un Vendor ID, donc le VID. Et une fois que tu as des Vendor ID, tu peux faire enregistrer des PID, des Product ID, qui permettent d'identifier de... tes cartes. Voilà. C'est un enregistrement qui se fait auprès de l'organisation USB, usb.org. Alors j'ai aucune idée de ce que ça coûte mais c'est sûrement pas donné, hein. ça c'est sûr et certain. Et c'est la raison qui fait que certains fa fabricants de chipsets euh, payent le Vendor ID, et euh, tu peux t'enregistrer chez eux pour euh, obtenir le PID. Euh, C'était l'exemple qu'on avait tout à l'heure, là ils le proposaient. je sais plus, c'est Microchip qui le proposait. Euh, donc euh, il est probable que tu puisses obtenir des accords avec la Fondation Raspberry, avec euh, peut-être même Adafruit, avec... Euh, tout ce qui est fabricant autour des ESP32, j'imagine que c'est possible d'obtenir. Enfin, Je n'ai jamais creusé, mais bon. En tout cas, la, la logique veut que une carte soit identifiée par un vendor ID et un product ID. À partir de là, tu définis euh, effectivement ta, ta définition de circuit de Python, mais rien ne t'empêche de forquer si vraiment c'est ce que tu veux faire, et de le faire quand même à côté pour toi, si tu mets au point un truc pendant que tu le mets au au point dans ton coin, ça, ça fonctionne avant même d'avoir les déclarations. Hein. Donc, voilà, 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 voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc là, on va finir. Hop, évidemment. Hop, ça y est, ça se remet à fonctionner à peu près. Pauvre Mac, il a trop chaud. Bichette. Voilà, c'est ça, c'est ce que je regardais. Euh, donc voilà, c'est reparti. Je vais essayer de de ne pas vous laisser tomber comme ça plusieurs lundis parce qu'après vous oubliez que j'existe euh, et puis j'essaierai de toute façon de vous refaire des, des calmes coding comme j'ai fait ce week-end d'en faire peut-être des soirs ou autres je vais continuer de toute façon ce petit bout d'appli ne serait-ce que pour piger un petit peu autour de textual je vais bien sûr poster aussi sur ma chaîne youtube le, le live de dimanche comme ça vous aurez plus de détails Oui, je comprends qu'il y ait les makers qui soient tristes, mais euh, si euh, s'il y avait que euh, l'organisme USB.org qui met les bâtons dans les roues aux makers, parce que euh, parce que ça coûte des milliers d'euros et qu'il n'y a pas de case hobbyiste pour plein de choses, euh, malheureusement, euh, je pense que c'est vrai pour beaucoup trop de choses. On peut pas dire que ce soit une mauvaise idée d'avoir un identifiant unique pour les, les produits USB. La façon dont ça se passe, ben, voilà. c'est des choses qui se changent. Par des réglementations, des lois et donc des gouvernements. N'oubliez pas, il va falloir aller voter bientôt. <laughs> voilà. Eh ben, je vais pas reprendre de vacances tout de suite. Je vais être un peu absent là du Discord aussi euh, quelques jours là, le temps d'aller. Euh, C'est la conférence euh, euh, du camping des speakers. Euh, je pars le mercredi, ça démarre le mercredi en fin de journée. Je leur donne un coup de main. Il y a des conférences jeudi, vendredi. Donc je vous dirai les belles choses que j'ai vues et entendues là-bas. Et puis euh, j'irai récupérer ma Pico Headboard. On en parlera. Je vous dirai ce qu'elle a comme euh, VID, euh, PID. En attendant, ben je vous souhaite une excellente journée. Et euh, je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, on finit pas sur un, un autre streamer en raid parce que j'ai oublié de regarder et que je suis un mauvais garçon. Je suis un mauvais joueur direct, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Maintenant en français on dit plus streamer, on dit joueur direct. Tant pis si vous faites du code ou autre chose. Allez, ciao ciao. Bonne journée à tous.